Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Resident Evil Révélation. On va faire le stage 4 du mode commando. Donc c'est parti, stage 4, niveau 18 recommandé, donc conseillé. Je suis niveau 18, donc je me suis mis niveau 18, voilà. Je suis toujours niveau 41, toujours pas passé au niveau 42, mais peut-être bientôt. En attendant, au niveau armes, j'ai un sniper qui est niveau 18. Un sniper niveau 18, un magnum niveau 7, on s'en fout un peu, ouais, et une mitraillette. Voilà, donc tout ça, plutôt pas mal. Donc je vais surtout utiliser le sniper qui, lui, envoie du lourd avec elle, là, parce que elle a quand même des bons... regardez, rechargement fusil, 100%, donc doublé, quoi. Cadence de tir, 35%, enfin bon, c'est un truc de malade. Mitraillette aussi, c'est vrai qu'elle a un petit truc, mais moins que le sniper. Et franchement, le sniper, ah, voilà, ça y va, hein, c'est pouf, pouf, pouf. Bon, là je fais le fusil à pompe, mais t'as compris le délire. Voilà, donc du coup, ce qu'on va faire, bon, si tu veux, regarde, je vais faire sniper. Tu vois, c'est un sniper un peu silencieux, mais un peu bizarre, tu vois. Bon, du coup, on va commencer tout de suite. Donc moi, je vous dis à tout de suite, c'est parti. Allez, c'est parti, on est des fous, hein, vers le stage 4, qui est assez compliqué, étant donné que il est compliqué. Non, non, mais il est un peu compliqué, comme je trouve, hein. Enfin, il est un peu chiant, en fait. Ouais, il est chiant, hein. Clairement, on va se le dire, il est chiant, avec tous ces chiens, ces machins, là. Le mieux, ce serait d'avoir un fusil à pompe, mais j'ai la flemme de changer d'arme, tu vois, hein. J'ai vraiment la flemme de changer d'arme. Si vraiment ça va pas, bon, je prendrai un fusil à pompe. Mais clairement, tout de suite là maintenant, je m'en fous complet. On va y aller au sniper, on va essayer de faire les bons. Hop, 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 qu'est-ce que tu me fais toi? Arrête! Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux? Hop, 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 non mais non! C'est dégueu. Bon alors là, franchement, je suis loin de pouvoir avoir la trinité. Hein. Oh là 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 là, ça va être chaud. Enfin, ça va être, c'est même trop tard. Mais c'est chaud d'avoir la trinité dans ce niveau quoi. À part si t'as un fusil à pompe, c'est vrai que bon, ça... Harmony, je pense que ça facilite bien la tâche, quoi. Le fusil à pompe, c'est du corps à corps. Les chiens, c'est du corps à corps. Donc, nickel, quoi. Mais bon, ce qu'on va faire... Attendez. Hop, hop, hop. Putain. T'es où? Et franchement, tu vois, c'est ça le problème avec le sniper, c'est qu'on voit que dalle. Alors qu'avec le fusil à pompe, le mec, il est devant toi. Mais t'inquiète pas que tu le vises, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Allez, toi, tais-toi. Voilà, tu vois, ça fait plaisir. Là, on se fait vraiment plaisir. Donc, hop, on récupère ce qu'on peut. Bon, on peut rien récupérer, ça fait plaisir. On va peut-être prendre le magnum, tiens. Ça peut faire plaisir aussi. Malgré que les balles coûtent très cher. Non, il n'y a pas des chiens là qui viennent normalement? Non? Non, mais histoire qu'on ait au moins le bonus d'avoir tué tout le monde. Putain, et tu vas à 2 à l'heure toi. Hein, c'est pas très rapide la miss là. Hein. Bon, bon, du coup. On va avancer. Hop, 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 hop. Et on va faire gaffe. Mais non, j'ai tiré. Tu vas te calmer mon petit. Arrête, Daddy! Oh là là! Et je te jure, hein, c'est chiant alors. Attends, attends, attends. Viens ici, toi. Viens ici. Ouh là, en plus, ils sont je sais pas combien. Hop, hop, calme-toi, calme-toi. Voilà, et t'as vu, franchement, la cadence, mais elle est énorme, elle est énorme. Franchement, ça fait plaisir, elle est énorme. Par contre, ouais, j'aimerais pas trop prendre de risques. Attendez, hop, déjà, on va faire ça, voilà. C'est vrai qu'avec ça, ça pourrait être plus simple aussi, mais bon. Voilà, c'est pas très grave, tout ça est trop tard, hein, on a perdu de la vie. Hop là, toi calme-toi. Oh là là, mais regardez-moi ça un peu. Oh, mais on fait masse de dégâts avec ce snake. What? Calme-toi, calme-toi. Y, Y. Ta gueule, toi, ta gueule. Qu'est-ce que tu fais là? À gueuler comme un con. Toi, viens ici. C'était qui? Comment il s'appelait le chien là? Vas-y, toi, cache-toi. Enfin, calme-toi. Cache-toi. Et cache-toi, le chien, cache-toi. Ok, donc là, ça a l'air d'aller. Donc, hop, c'est parti. Et boum! Ça fait toujours plaisir, franchement. Ouais, une petite grenade comme ça, et puis lui, ça le tue en un coup. Voilà, bah ça c'est parfait. Ouais, fusil, mais ça fait plaisir. Et la mitraillette, pareil. Ah, magnum, tiens, magnum. Truc de fou. Bah tiens, je peux recharger au magnum, je crois. Ah bah non. Bah non, pas du tout. Non, mais pas du tout, pas du tout. Bon, c'est pas très grave. Non, non, mais je me suis trompé. Dommage. Oh là, mais je fais n'importe quoi, les gars. C'est un truc de fou. Bon, attendant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer comme d'habitude. Hein. On a la clé, c'est bon, bah c'est nickel, voilà.
Allez, c'est parti. Là, par contre, si je me rappelle bien, on descend en bas et puis il y a masse de chiens. Si je me rappelle bien. Oui, non, 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 oui. Putain, il dit, oh là là, c'est trop long. C'est trop loin, c'est trop loin. Là, on peut pas tomber directement en bas comme ça. Non, on peut pas sauter là direct. On peut pas sauter directement, ça ira plus vite. Mais l'autre, elle est descendue par où? D'accord, ouais, c'est bizarre quand même. Ah ouais, alors peut-être que. Ouais. Ouais, hop, hop, calmez-vous. Hop, oh, j'ai shooté. Oh, mais. Ah, j'ai shooté. Mais un truc de fou, quoi. Bon, il me donne que des balles que j'ai pas, là. Ouais, mitraillette, j'ai pas. Ah, bah tiens, encore mitraillette et tout. Putain, il y a que des mitraillettes de partout, quoi. C'est un truc de fou. Bon, jusque-là. On a bien démarré, je trouve. Mais par contre, là, on risque de. Si on n'utilise pas les leurres, ça risque d'être dur. Bon, toi, lâche-moi. Non, je me suis trompé. Oh. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est moi le. Attends, attends. C'est qui lui? Comment il s'appelle? Glenda. Glenda. Et je m'appelle Glenda. Ah ouais, pourquoi je dis Glenda? Je suis con. Je m'appelle Glenda et puis bah, je t'emmerde parce que tu me peux. Vas-y, hop, fais pas chier. Hop là, qu'est-ce que tu vas faire, gros? Qu'est-ce que tu vas faire? Merde, merde, je me suis trompé. Ouh. Je sais pas comment je vais pour le toucher en même temps qu'il m'a touché, mais ça fait plaisir. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous. Mais non, j'ai mis la grenade là, mais t'es con quoi, mais c'est pas possible. Tu sais pas jouer, tu sais pas jouer, tu sais pas jouer. Tu sais, quand il y a une grenade, faut que t'ailles dessus. Hein, faut pas que tu me foutes là. La... Faut pas que tu me foutes. Tout simplement, voilà. Donc, bah voilà, ouais, ça fait plaisir. Vous voyez, les grenades, très utiles quand il y a les chiens, parce que les chiens, c'est des féroces, tu vois. Ils sont là, ils attendent que ça de te bouffer la gueule quoi. C'est, enfin, c'est un truc de fou. Ah, mais c'est déjà terminé, mais c'est un truc de fou, c'est déjà terminé. Ah ouais, mais c'est déjà terminé quoi. Non? Attends, attends, attends. Si, c'est déjà terminé. Attends, oh, calme-toi, toi. Calme-toi. Oui, il était assez rapide, tu vois. Il était assez rapide. Mais très féroce, hein. Ça, c'est clair. Hein. Putain, au niveau des chiens. Oh, oh il était vraiment féroce de chez féroce, quoi. C'est ouh. Ah ouais, non, mais là, c'était la férocitude, là. Toi, c'est pas la. C'est pas la féroce attitude, c'est la férocitude, tu vois. C'est pas pareil. Oh là là, et ça fait bizarre avec le brouillard, là. Putain, waouh. Fait plaisir. On peut la voir la station d'ici, hein. Station Griffon. BO1 et tout, Moon et tout, tu sais. Pour ceux qui connaissent. Ah ouais, elle est là, ici. On voit s'il y a des gens et tout. Et si je tire là-bas, tu penses qu'il y en a, ils vont me balancer des missiles et tout. Ah, imagine et tout. Ah, ça serait trop débile. Non? Bah ouais, non, ça passe rien. Et là, imagine, je tue quelqu'un et tout. Enfin bon. Ouais, donc on va terminer ce niveau. Ouais, donc ça fait plaisir, un petit niveau terminé. Ah ouais, c'était trop génial. Oh putain. Oh là là, j'ai trop kiffé quoi. Je m'en fous en fait. Ouais. Oh, 6 minutes, 6 minutes. Oh, on a eu un S, ça fait plaisir. Ouais, donc ouais, bonus bas niveau, ouais. Bonus génocide, donc on a tué tout le monde, ça fait plaisir. Et là, ok, nickel. Ok, doki, ok, nickel, voilà. Je m'en fous, hein, voilà, je m'en fous, clairement, je m'en fous. Alors en fait... On a, donc ouais, si t'as envie, si ça t'éclate, si t'as envie, voilà. Donc en fait, sur ce niveau, je n'avais aucun, putain mais je m'en fous. Voilà, je n'avais aucun bonus, sur ce niveau, je n'avais aucun bonus, donc là je viens de gagner 2 bonus, donc ça fait plaisir. Voilà, bon j'aurais préféré avoir la Trinité, mais ouais, j'avoue que c'est un peu dur, hein, si t'as pas de fusil à pompe. C'est un peu dur. Bon, 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 bon. Et là, je vous montrerai un peu comment je fais pour farmer les PB niveau 32 minimum. Et puis voilà, donc bon, c'est pas encore d'actualité, hein, donc ça va attendre un petit peu. Voilà, en attendant, dans le magasin, on va quand même racheter les munitions. Voilà, donc vous voyez à peu près, voilà. Franchement, le sniper, c'est celui qui vaut le plus le coup. Il fait un max de dégâts et les munitions coûtent, mais alors, mais pas cher, mais... Mais c'est what the fuck, tu vois. Alors que, par exemple, le Magnum... Oh là 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 là, mais t'en parles même pas. Ça coûte tellement cher. Ça coûte des milliers, des... Ça coûte des dizaines de milliers pour recharger tout le machin, quoi.
Enfin bon, là franchement ça coûte que dalle, ça fait plaisir. Voilà, donc jusqu'à tout va bien, ouais, on s'en fout un peu. Alors en fait ça, j'avais pas compris, en fait c'est tout simplement, c'est une amélioration pour améliorer ton arme, n'importe laquelle. Enfin, si c'est par exemple le fusil ou mitraillette, tout ça, enfin bon, suivant ce que t'as. Mais en gros t'améliores et c'est que pour une seule arme. Tu vois, c'est pas pour toutes les armes en général, c'est que pour une seule arme. Et donc cette arme, si tu la vends, bah le truc tu l'as plus, tu vois. Et en fait tu peux l'améliorer une fois, et après je sais pas si tu peux l'améliorer deux fois ou trois, mais enfin bon, en tout cas tu l'améliores pour une seule arme. Donc ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, du coup ouais, j'aurais préféré un truc, tu vois, qui soit global, que ça fasse des pourcentages global sur tous les snipers, tous les magnums, tu vois, et ainsi de suite, que ça coûte de plus en plus cher. Ça aurait été un peu mieux, tu vois, mais bon, c'est pas très grave. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement s'arrêter là. Arrêtons de discuter. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Hein, donc en espérant que ça vous aura satisfait. Voilà, donc on s'est fait un petit stage 4 tranquillou. Et puis la prochaine fois on sera un stage 5. Ça sera génial. Toujours avec le sniper qui a une cadence de ouf, sa mère. Enfin bon. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous dis ciao. Et n'oubliez pas. Non mais je suis con. Moi. Non, on va faire mieux que ça. Ciao tout le monde. Ciao. Et n'oubliez pas, restez cool !